The elite of our athletics are coming together. O Stade Charletti de Paris. Prepare-se. Os Dorascom. Así que prepare-se. Ai. Beer-wear. Boom! 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 Hey! Du 8 au 17 juillet 2023. The show is on. Empieza la fiesta. Prestaties. Comparar. Emoção. Piacere. Vibremos juntos. Supporters, laten we samen juichen. Nos vemos em Paris em 2023. Rendez-vous à Paris. Rendez-vous, rendez-vous. Rendez-vous à Paris. En el 2023. En 2023. En 2023. The elite of para athletics are coming together. Au Stade Charletti de Paris. The elite of para athletics are coming together. Au Stade Charletti de Paris. Prepare-se. Os Dorascom. Así que prepare-se. Ai. Beer work. Boom! 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 Hey! Du 8 au 17 juillet 2023. The show is on. Empieza la fiesta. Prestaties. Comparar. Emoção. Piacere. Vibremos juntos. Supporters, laten we samen juichen. Et bonjour tout le monde, bonjour Caïs. Bonjour Laurent. J'espère que vous êtes contents et que vous allez apprécier ce match qui va opposer du coup les Hordes du Canet face au AGSP Marseille. Grosse rencontre cette 14e journée de championnat. Tout à fait, qui est Marseille qui reste sur une belle prestation contre Meaux. Donc ils ont gagné contre cette belle équipe aussi de Meaux. Donc oui, en pleine confiance Marseille. Là. En pleine confiance. Une équipe dotée de beaucoup de joueurs sud-américains, avec la grinta, la vitesse, la puissance qu'on leur connaît. Donc ouais, ça va promettre une rencontre avec beaucoup de mouvements, je pense. Oui, tout à fait. Voilà, ils sont assez mobiles, ils sont adroits au shoot à mi-distance. Non, il faudra prendre cette équipe marseillaise très très au sérieux. Équipe marseillaise dangereuse, capable de battre peut-être n'importe quelle équipe du championnat. Donc c'est typiquement un match piège et il faut vraiment se méfier de cette équipe. Coaché par notre ami Charles. Charles Zina, ancien coach du Canet qui a gagné tout avec nous il y a quelques années, championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe, très bon point. C'est un coach mythique du championnat de France et aussi un homme extraordinaire donc voilà, qui a porté énormément pour le sport, le handisport, le handibasket. Tout à fait. Très très bon joueur. C'est ça. Qui a fait une belle reconversion. Et il manque des joueurs comme ça dans notre championnat et qui dirigent les équipes. C'est vraiment dommage. Oui, c'est ça, exactement.
faudrait plus de joueurs parce qu'ils ont cette expérience, cette vision du basket. Et qui l'expérience, la vision du basket, comme tu dis, et en fait la passion du basket, ça se ressent. Ça se ressent à chaque instant avec lui. Je pense que être coaché par lui, ça doit être extraordinaire. Ça doit être de bons moments. Oui, très bons moments. Moi, à titre perso, j'ai beaucoup aimé son coaching et sa façon dont on s'entraînait. Et ouais, il y a de très bons souvenirs avec lui. Hein. Notamment, on a vu une très très belle équipe. Mais bon, maintenant, c'est un nouveau cycle. Il y a aussi de très bons joueurs cette année. Après, voilà, c'est le sport, hein, c'est cyclique. C'est un constant renouvellement. Hein. Chaque année, chaque équipe ne sera jamais la même. Et c'est ce qui fait la beauté d'un championnat, c'est de voir les évolutions des différents effectifs du championnat, et, ouais. Les équipes montantes. Petit problème technique. Positionnement du micro. On est bien en direct, c'est pour ça. Un grand merci à Mylène qui est là, tous les matchs aussi. Qui fait un gros travail dans l'ombre. C'est Mylène, la dame de l'ombre. Elle fait tout. Mylène et sa sœur aussi. Ils sont au fond. C'est une très très grosse organisation qui sont là dès le matin pour tout préparer, pour la mise en place. Non, merci à elle. Hein. Vraiment. Ouais, c'est ça. Après, Mylène, on la connaît. Hein. C'est une pile électrique, elle n'arrête pas. Donc, ouais. Courage à elle et merci beaucoup. Alors, on va vous donner un petit peu les 5 de départ. Alors, moi, côté marseillais, nous avons le numéro 1, Juan Carlos Quintero, le numéro 4, Jairo Lazzaro, le numéro 15, Solorzano Nelson, le numéro 23, Johan Vargas, et le numéro 29, Julian Lopez. Au niveau du canet, numéro 4, Wilfried Leblanc, numéro 6, André Matchek, numéro 7, Stéphane Keller, numéro 9, Luca Roa, numéro 11, Ossim Belaïde, 14, Thomas Delattre, 15, Reda Matawi, 11, Yuri Fernandez, 22, Ivan Toscanet, et numéro 25, et capitaine Christophe Carlier. Est-ce que tu connais le monsieur qui va faire la... Alors là, malheureusement, je ne sais pas. Moi aussi. On va essayer de se renseigner pour vous donner cette info. Le lancer protocolaire. Tout à fait. Très très beau lancer. Voilà. C'est qui l'a récupéré? C'est Christophe encore? Allez, on va dire que c'est de bon augure là pour le début du match. Il va falloir démarrer très rapidement ce match. Oui. Ballon récupéré pour le canet. Par Christophe. Allez, Toscano, Christophe à l'intérieur. Avec la faute. Ah, ça commence bien là, les deux points plus la faute. Qui va le mettre en confiance. J'ai pas vu qui a fait la faute, est-ce que c'est Nelson? Ah, il me semble. Ouais. Donc première faute. 10 secondes de jouer déjà. Allez Christophe, c'est important de mettre son premier lancer franc. Allez Chris. Dommage, loupé. Rebondir, Quintero. Allez, attention. Attention parce que ça part un petit peu dans toutes les directions. C'est la difficulté de défendre sur des équipes rapides. Bon pick and roll. Ah, pick and roll magnifique. Et les deux points pour Marseille. Par l'intermédiaire de Quintero. C'est un joueur que j'aime bien, assez mobile, très adroit. Attention. Allez, Matchek. Passe à l'opposé sur Roussine. Roussine qui redonne à Christophe. Christophe pour Roussine. Shoot. Et panier d'Roussine. Et panier d'Roussine. À mi-distance. 4-2 pour le canet.
Vergas côté Marseille qui monte la balle, qui va shooter. Tire à 3 points. Loupé, Robin Dreda. Et Vergas, hein, comme on l'a dit, hein, c'est un shooter à mi-distance, il va falloir faire très attention à lui. Aussi là qui se balade tout seul, avec la faute. La faute n'a pas été sifflée malheureusement. Dommage. Le double pas. Bah, mais là, je suis désolé, il y a faute. Hein. Ah. Et là il va siffler faute pour Arreda. Des fois on comprend rien. Hein. Ouais. Poussine qui dit à l'arbitre qui le découvre effectivement. Grosse grosse faute non sifflée. Allez Lopez au lancer franc. C'est franc loupé, mais rebond. Désolé, on a un petit souci avec le chrono et les points. Pour l'instant, il y a toujours 4-2 pour le Canet. André Matchek, et ça fait 6-2. Allez, 6-2. Et 8 minutes de jeu. Le Canet qui est plutôt bien rentré dans son match. Et une faute offensive sifflée à l'encontre des Marseillais. On prend. Ah ouais, non, il faut les prendre là, ces fautes. Ces fautes, ces balles rendues rapidement. Au Canet de faire très vite l'écart pour se prendre la tête rapidement. Bah, check de la raquette tout seul. Et parfait. Comment ça se fait qu'ils se retrouvent comme ça tout seul? Ouais, en fait je pense qu'ils défendent. Ils défendent très serré, très fort les trois hommes, entre guillemets, les trois joueurs forts du Canet, Carlier, Belaïd et Mahataoui. Mais le problème c'est que Mathieu il est pas mauvais non plus. Ça, oui. Et que du coup Ivan là avec la balle. Il en profite. Alors. Allez Mathieu. Mathieu qui shoot, qui loupe. Et balle récupérée pour Marseille. Avec Quintero. Ça attaque en contre-attaque. Ça va vite en contre-attaque. Ouais. On essaie de partir loin. Mais le Canet est prévenu. Hein. Il redescend rapidement. Vergas. Sur leurs arrières, sur leur Sano. Allez Reda, bonne défense. Allez aussi. Qui remonte la balle. Bon bloc d'Ivan. Avec la balle sur Houssine. C'est bien temporisé tout ça. Parfait Houssine. Houssine à l'intérieur. Ah dommage. Dommage. Dommage, dommage. Allez Houssine, reste concentré. Allez, allez, c'est pas grave. Ils vont pas siffler. Hein. Allez, on passe à. Faut passer à la phase d'après. Lui il a encore réclamé une faute. Ouais. Mais bon, allez Houssine, c'est pas grave, reste concentré. Allez. Allez Houssine, allez. Nelson avec la balle. Christophe, défense sur lui. Vergas, oh, je pense qu'il allait perdre le ballon. Bonne possession, bonne défense du Canet. Bonne défense, les 24. Le Canet qui veulent ne pas prendre de points. Non, c'est bien pour l'instant, belle entame. Rentrer de suite dans ce match. Bien sûr. Ne pas se laisser attraper par un piège. Christophe avec faute. Ouais. Faute du numéro 29, Lopez. Et
Le temps mort demandé par Charles Zila côté Marseille. Et le Canet qui est bien rentré dans son match hein, pour l'instant. Allez, il faut continuer comme ça, c'est bien. C'est ça, c'est mettre de suite l'emprise sur le match, la mainmise sur le match. Après, on est plus grand qu'eux, donc ça va jouer dans la raquette. Hein. La taille, c'est vraiment un atout dans le championnat handi-basket. Hein, oui. Voilà, c'est indispensable pour prendre possession de la raquette. Des rebonds offensifs, défensifs. C'est ça. C'est important. En plus, nous, on a la chance au Canet. Nos grands, c'est des points intermédiaires. Donc, c'est des 3, 3,5. Donc, c'est bien. Dans les rotations, c'est mieux, on va dire. Ivan qui va faire la remise en jeu. Allez. Sur Christophe. Christophe qui va prendre à 3 points. Dommage. Le tir. Rebond récupéré par Marseille. Mais là, de suite, la grosse pression du Canet. Visiblement, le ballon a été retouché apparemment. C'est ça. Donc, c'est Marseille qui va récupérer la balle. Les Marseillais qui sont très mobiles. Hein. Allez, Vergas, qui passe que sur Quintero. Marseille essaie de déborder l'équipe du Canet par la vitesse. Pour l'instant, le Canet bien en place. Ouais. Hein, il repousse les offensives marseillaises. Et Maciek tout seul. La petite cuillère. Parfait. Ça rentre. Oui, après Marseille, là pour l'instant, ils ont du mal à rentrer dans la raquette. Ça veut dire que le Canet défend bien actuellement. Tant mieux. Allez, Vergas qui monte la balle. Je vais faire. Dangereux. Bonne défense du cible là. Allez. Magnifique. Qui arrive à récupérer la balle qui rebondit sur la moustache du Marseillais. Lopez. Allez, Toscano pour la remise. Carlier, on remonte la balle. Ouf, parce qu'il allait la place. Ça éclate de partout. Aïe. La passe m'a assuré. Matchek qui récupère, mais Houssine sous la raquette. C'est un peu brouillon. Elle est mal partie cette action. Elle est très très mal partie. Quand la balle elle devient une patate chaude, difficile à récupérer. La balle récupérée par Marseille. Allez, comme tu as dit, balle récupérée par Marseille. Vergas avec la balle. Sur Nelson. Un beau panier. Les deux points sous la raquette. C'est à 4. Allez, Christophe, une faute encore contre un Marseillais. Qui a fait la faute, j'ai pas vu. Nous sommes sur la 4e faute d'équipe. Il y a eu un remplacement, hein. Lopez a été remplacé par le numéro
4 non. Alors j'ai dû dire ça. Je vois pas son. Ouais, et on voit pas son numéro. Ouais. Il a remplacé le 14, je crois. Il a été remplacé par le 14. Même qu'il a. Allez, Vergas qui monte la balle. Johan Vargas qui essaie de chercher une position à mi-distance, le tir avec la planche, c'est ça, imparable. En contre-attaque aussi, allez aussi. Allez. C'est dommage, c'est des points qu'il faut mettre. À la Sola, il faut les mettre, c'est dommage. Aussi, le cas encore, je pense, sur sa faute non sifflée. Trois secondes, ouais. Heureusement. Allez, 10-6 pour le Canet. Ivan avec la balle. Sur Maciek qui va prendre son shoot. Et dommage. Robot là de Quintero. Attention à la contre-attaque. Ça part très vite hein, de la côté. Ils sont très rapides. Ils sont à 3. Bonne passe. Sur leur qui a raté. Ah, il y a une faute. Faute sifflée contre Chris qui apparemment a mis la main sur la tête de Nelson. Nelson, il doit le mettre quand même, hein, ce panier. Hein. Ouais. T'as vu Laurent comment ça, il démarre vite les contre-attaques marseillaises. C'est récupération rapides. Et de suite, il y a 3 joueurs qui éclatent. À l'arrière et ils essaient de créer sur l'ombre. Le numéro 4, Lazaro, qu'est-ce qu'il est rapide. Je pense que c'est l'un des plus rapides du championnat. Ah oui, oui. Allez, Vargas sur Nelson. Rodolfo Vargas. Il va le prendre. Loupé. Le rebond d'Oussine. Le tir un peu court du Marseillais. Et une faute sifflée à l'encontre du numéro 4. Ouais. Lazaro. Après, s'il peut sortir pour des fautes, ça m'arrangerait perso. Et attention, la cinquième faute, du coup, ça va donner 2 lancers francs pour le Canet. Allez aussi, mets-toi en confiance, c'est du shoot facile, t'es tout seul. Ah, dommage. Allez, on se reconcentre. On oublie le début de cette semaine, un peu blessé à l'entraînement. Donc ouais. Petite douleur au cervical. Ah ça, les cervicales, c'est tellement compliqué. Ah oui. Ça limite le mouvement. Ça. Tout à fait. Et c'est compliqué en plus à revenir après derrière. Ouais. Attention là, attention sur la défense. Ils sont en surnombre. Restez concentrés. Voilà, aussi, il n'a pas réussi à passer sur le numéro 4. Hein. Et il a bien tenu. Hein. Ouais. Ah ouais, il est très bon joueur. Hein. Bah, le rendu au Canet. Et beaucoup de fautes offensives hein, côté marseillais. Parce qu'ils étaient en surnombre. Ouais. Il n'y avait pas aussi dans la défense. Peut-être un excès d'engagement oui. De leur part. Ils ont vraiment la volonté il faut trouver le curseur. Hein, c'est ça. Yvan sur Reda, parfait Reda. Oui. Voilà. Et la faute technique. Alors, il y a eu les 2 points de Reda, mais il y a eu également une faute technique. Sur Nelson, c'est sur ça sur Nelson, oui. Pourquoi il s'est levé Non, quelques mots à. Ah, il a raison, Sarou, il est cassé. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais Sarou, il est cassé. Ouais, en effet, ouais. Ça doit être sûrement son axe qui a dû péter, pardon, cassé. Ouais, mais il a raison, hein. Les arbitres, là, je trouve que un peu sévère. Hein. Ouais, on entend Yo-Yo, le président de Marseille qui peste. Ouais. Oh, Charles, en effet, il y a peut-être un manque de réflexion de la part de l'arbitrage sur ce coup-là, sur cette action-là. Ah, j'espère qu'ils vont enlever la technique. Après, je ne sais pas s'ils peuvent.
Bah, ils peuvent pas enlever une fois que c'est sifflé. Ouais. S'ils peuvent, ils peuvent annuler une faute technique, mais je pense que c'est l'énervement de Nelson qui a, à mon avis, c'est l'axe du fauteuil qui a cassé. En plus, s'il a cassé dans le fauteuil pour le ressortir. Ouais, c'est très compliqué après derrière. Là, c'est ouais, ça. C'est voilà, c'est phare un peu. C'est là. Ouais. C'est toute la difficulté du handibasket, ouais. C'est que le handibasketteur est dépendant de son matos. Ouais. Et que dès qu'il y a un vrai problème technique, et là en l'occurrence un axe de roue qui casse à l'intérieur du fauteuil, et ben, ça pose de vrais problèmes parce que. Du coup, il peut pas récupérer son fauteuil dans l'immédiat. Là, voilà, il y a toute l'équipe qui essaie de trouver une solution pour sortir l'axe. Ben, j'espère qu'il va réussir parce que, comme j'ai dit, c'est un des hommes forts de l'effectif. C'est leur pivot, quoi. Alors là, après Kossi qui rentre bien. Voilà, dommage. On a Kossi à la place hein, qui est joueur expérimenté aussi. Hein. Très expérimenté. Houssine dans la raquette. Ah, Houssine, allez, mon grand. Il y a la faute, il a récupéré la faute. Oh, là, on voit Nelson vraiment, vraiment très, très énervé. Ça se comprend. Honnêtement, ça se peut rentrer à cause de ça. C'est tellement injuste quand c'est le matériel qui fait défaut. Il suffit de pas grand chose hein, des fois d'un contact d'un. En fait il faudrait le couper avec une scie hein, je pense, et après le ressortir. Ouais. Il faudrait le couper là. Après est-ce qu'ils sont bien équipés? Allez. Écoute, on va. Nous on est fair play, voilà, on préfère que tous les meilleurs joueurs soient sur le terrain. Hein. Donc voilà, j'espère qu'il pourra réparer son fauteuil, revenir sur le terrain. C'est ça exactement. C'est voilà, c'est un peu une blessure du fauteuil malheureusement. c'est frustrant. C'est frustrant pour le joueur de voir se voir. Forcé à ne pas jouer à cause de son matériel. C'est voilà. Allez, balle canée, Toscano. On est à 15 à 6. Matchek, Carlier. Carlier qui va prendre son shoot, tête de raquette. Ah oui, très joli. Et le canet qui fait un petit écart là. 11 points. Montero. Mauvaise passe. Kossi, qui n'arrive pas à capter la balle. Ça défend fort hein, du côté Cantan. Allez. Hop. À mon avis, ça va être compliqué pour Nelson. Ouais. Ah là là. Après, c'est des fauteuils qui coûtent tellement cher, on peut pas en avoir deux. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Il faut savoir pour ceux qui nous écoutent et peut-être connaissent déjà le sport, mais ceux qui ne connaissent pas le sport, chaque fauteuil en général coûte entre 10 et 15 000 euros. Ça dépend des fauteuils. Il y a des fauteuils qui coûtent moins cher, mais voilà, les fauteuils en tout cas, les fauteuils de sport de ce type-là, aussi légers, aussi rapides, coûtent une vraie fortune. Et ça pose des problèmes parce que tu ne peux pas avoir du matériel à profusion. Voilà, en général, chaque joueur a son propre matériel. C'est un tout à fait sur mesure. Et sur mesure, exactement. Ils sont faits très, très loin, en Angleterre, donc. Il y a un certain délai d'attente. C'est plusieurs mois de confection en général. Et exactement, fait sur mesure. Donc on prend vraiment les mesures, toutes les mesures qu'il faut, du genou au pied. Tout à fait. Voilà, c'est des fauteuils vraiment taillés pour le joueur. Et à la morphologie, ouais. Et à la morphologie du joueur, exactement. 19-6 pour le canet. À 30 secondes de la fin. Ouais,
Koussi tout seul dans la raquette qui préfère. Koussi qui essaye de chercher une solution qu'il ne trouve pas. Il est pressé par Toscano. Ah, dommage, c'était compliqué à une main. On aurait dû le prendre tout à l'heure. Maciek à contre-attaque. Maciek, je sais pas combien de contre-attaques qu'il fait, mais. Ah, il utilise bien sa vitesse en tout cas. Ah, 21-6 pour le Canet. Ah ouais, ils ont pris un petit écart là côté marseillais depuis la sortie de Nelson. Ouais, c'est compliqué. Mais je pense qu'il va revenir là au deuxième carton, tant mieux. Pour le spectacle, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, c'est, ça y est, il a pu réintégrer son fauteuil. Ils ont réussi à sortir l'axe. Ouais. L'axe. Après, il faut savoir, le fauteuil leur met vraiment de gros chocs. Donc, voilà, des fois ça peut être, ça arrive. Hein. Exactement. C'est. Le roux également, hein, sont composés forcément de. Il y a la chambre à air qui peut péter. Tout à fait. Et le fauteuil à lui-même peut péter. Le fauteuil à lui-même. Je sais qu'en Coupe d'Europe, nous, le dernier match, ici, il a pété vraiment son fauteuil, quoi. Donc il a joué avec le fauteuil cassé. Bah, au moins, on peut dire qu'il a joué avec intensité. Voilà. Il n'est pas allé à moitié. Ouais. C'est sûr. Bah, en même temps, c'est bon aussi. Ouais, on le connaît. Hein. Allez, Charles qui veut donner un peu plus d'exigence à côté marseillais. Et pour le Canet, pour l'instant, tout se passe bien. Ça fait 15 points. C'est... C'est une très bonne chose. On a fait le trou, là, on va dire. On a fait le trou, fait l'écart. Mais il faut pas se reposer sur les lauriers. Mais voilà, déjà, un matelas confortable dès le premier quart-temps. Ouais, en effet. Est-ce que Charlie sait que Nelson est rétabli, on va dire? Est-ce qu'il ne fait pas rentrer? Je pense qu'il il laisse Koussi sur la lancée. Il attend un petit peu que Nelson s'apaise. Oui, après on le voit. T'as une certaine forme de frustration qui se crée. Et du coup, t'as peur après derrière d'avoir un joueur Des fautes bêtes, quoi. C'est ça, voilà. Des fautes d'énervement, des fautes bêtes et... Pour mieux le laisser un petit peu sur le banc. Et après, il pourra reprendre avec. Koussi reste un excellent joueur, hein, très expérimenté. Qui a fait une très très longue carrière du côté de hier et qui est revenu aux sources il y a quelques années maintenant. Mais c'est un joueur aussi très très expérimenté. Hein. Et pick and roll avec beaucoup de pick and roll à côté Marseille. Allez, Koussi. Ça ressente. Ça ressort. Et sur l'ombre. Allez, Bataoui. Pour la contre-attaque. Sur Houssine. Houssine. Allez, Houssine. Là. Voilà. Voilà. Bravo. Alléluia. Bien, Houssine. Voilà. Allez, concentré. 23-6, aïe 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 pour Marseille. Ouais, 23-6. C'est compliqué là pour Marseille, ouais. Il n'arrive pas à trouver de solution. Et le Canet qui vraiment enfin, ferme. Allez, Koussi. Ah, c'est compliqué là aussi. C'est compliqué. Vergas avec la planche. Bon shoot. 23-8. Canet qui défend vraiment bien. Ah hein, oui, oui. Vraiment sur ce match. Très sérieux. Très sérieux à piquer. C'est bien. Toujours un joueur sur la défense. Allez, Lucas Roy. Ouais, avec la planche. Lucas avec son nouveau fauteuil. Ah, nouveau fauteuil. Voilà. Ça va lui donner de la vitesse, ça va lui donner du punch. Nouveau fauteuil, on peut le dire, réalisé par Dynamic. À notre cher ami Stéphane. Et à Stéphane Keller, c'est ça. Très très bon sur les prises de mesure, hein, vraiment. Les fauteuils sont impeccables. Ah, oui, qu'on est très très bien sur métier. Hein. Bravo à lui, franchement.
Quand il fait un fauteuil, il n'y a aucune erreur. Et mine de rien, c'est extrêmement technique. Hein. Ah, oui, ça, oui. Parce que ça dépend également du positionnement sur le fauteuil. Il y a des joueurs qui préfèrent être un petit peu plus en arrière, un peu plus encaissé, d'autres qui préfèrent avoir une aérodynamique plus portée vers l'avant. Et voilà, faut arriver à s'adapter à la demande, au souhait de chaque joueur, à la morphologie de chaque joueur. Ça doit être incroyablement complexe. En plus, ce qui est bien avec Stéphane, il peut te conseiller, donc avec son expérience, des fois tu veux faire quelque chose. Et c'est ça, voilà, il peut te dire non, c'est mieux de faire ça, faire ci, faire comme ça. Donc c'est bien de s'appuyer sur. Il y a l'expérience en tant que joueur international, on va dire, ouais, c'est ça. Non, vraiment. Hein. Moi, il m'a fait mon fauteuil, tous mes fauteuils, c'est lui qui les a fait. Je suis très très satisfait. Hein. Donc c'est bien. C'est le prolongement, on va dire, de la famille du Hornet Canet. En plus, c'est le premier, s'il y a quelque chose sur le fauteuil, à venir réparer, même en plein match. Hein. Donc ouais, c'est un bon gars. Allez, Vergas qui va faire la remise en jeu. 25-28 pour le Canet. Cossi qui va. Je pensais qu'il allait le prendre, ouais, mais bonne défense de Reda. Ouais. Ouais, très bonne défense. Il est vraiment. Avec ses longs bras, on va dire. C'est long segment. Voilà. Et Maciek qui continue Maciek. Son festival. Allez, Maciek. 27-28, plus 19 pour le Canet. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Ouais. Et on est que 7 minutes de jeu. Et là maintenant, ils se font plus plaisir le Canet sur les pick and roll. Bah ouais, parce qu'en fait, y a le joueur en back là qui revient à chaque fois. Et le Marseille qui est obligé de tirer quasiment à la ligne des 3 points maintenant. Ça complique vraiment leur tâche. Ousmane, allez, tout seul. Parfait. Les deux points. Et oui, pas attaqué, pas défendu. Il se fait pas prier. C'est ça. Ah, la sortie de Nelson a fortement pénalisé Marseille. Ça a mis un coup, je pense. Ça a mis un coup clairement à l'équipe. Ah ouais. Et faute de Reda, je pense. Non. Non. Oui, c'est contre le Marseillais. Faute offensive. Numéro 4, Lazzaro. Ah, je crois qu'il est déjà à 3 fautes. Hein. Jairo, Lazzaro, oui. 3 fautes, 3ème faute. Attention, hein, ça va compter sur ce match. Ah, oui. Et du coup. La Trami Nelson qui revient sur le terrain. Ouais. Allez, Koussi, belle entrée. C'est bien, dommage. Également, Damoiseau qui sort pour Julian Lopez. Allez, 29 à 8. Match très sérieux de nos Cantan. Aussi la 3 points. Oh, heureusement. Le in and out. Petite gamelle. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Dommage, c'était un très beau shoot. Christophe qui défend la dure. Maciek qui sort sur Vergas. Ah, c'est très joli. C'est un très beau mouvement, ouais, c'est pas récompensé pour Marseille. Mais, il y a une belle faute. Il a décidé de garder l'avantage, entre guillemets. Ça n'existe pas en basket, mais voilà, il a donné l'avantage. À Marseille, là, qui joue un peu physique, on va le dire. Et ça peut leur coûter cher, hein, le physique, parce que là, en termes de fautes, ça commence à comptabiliser. Ah oui, ils ont pas mal de fautes. Hein. Alors aucune sur ce carton visiblement. C'est très étrange parce qu'il y a une faute contre Lazzaro, je crois, tout à l'heure. Ouais, je pense qu'il y a un problème sur le tableau de faute là de. Je sais pas. Bon. Aussi là, est-ce qu'il va retenter un 3 points ? Là, ça va. Bon bloc avec Luca. Et Toscano. Sur Maciek qui va. Ah non, qui rebascule sur Luca. Compliqué ce tir. Panier. Par au-dessus. Très bon panier. C'est ça.
tout le talent de Lucas. Ah, Lucas qui progresse chez nous, bien. Mon petit jeune, c'est bien. Pas de poussine. Ah, Nelson qui loupe ce panier. Allez, Nelson. Allez, deux sorties. Johan Vargas et Julian Lopez. Et entrée de Wilfried Leblanc. Et Leblanc. Ouais. Il a remplacé qui ? Reda ? Ouais, il a remplacé Reda. Un petit pour un grand. Ce. Allez, Will. On met un peu plus de mobilité. C'est ça. Même ça si a fait de même un petit peu côté Marseille. Même si Reda est très mobile aussi. Hein. Premier lancer franc loupé, il me semble. Oui. Premier lancer franc manqué. Après voilà, oui, Daniel, il peut se permettre de faire quelques changements. 31-8. On n'est pas pour l'instant inquiété. Par contre, un peu déçu de Marseille qui marque que 8 points là. C'est pas beaucoup, hein. Ils ont beaucoup de mal à. 4 paniers. Ils ont beaucoup de mal à s'exprimer sur le terrain, hein, clairement. Pour l'instant, ouais, ils me déçoivent un peu. Ouais. Il y a pas mal de frustration à côté marseillais. Et le carnet joue très bien. Je pense qu'un joueur comme Vargas, il doit plus apporter. Je pense que c'est pour ça que Charles l'a sorti. Ouais. Allez. Le lancer franc qui va compter. Peut-être redonner un petit peu de confiance. Will qui monte la balle. Allez. Christophe dans la raquette. Oh, dommage. Matchek, sa spéciale. Christophe qui arrive vite de plus. Ah, c'est dommage. Dans la raquette. Il a bien fait de suivre. Il a bien fait de se mettre en dessous. Ah, c'est lui qui a marqué, j'ai pas vu. Ouais, c'est ça, c'est lui qui a récupéré le rebond. Il a marqué. Action récompensée, même si on l'a pas vu au départ. Il a senti le tir de Matchek. Christophe dedans, il est injouable. Il s'est téléporté dans la raquette. Il est injouable dedans. Allez, Chris, mets-moi ton lancer franc, s'il te plaît. Et voilà. Merci. 34-9 pour nous. Attention à Marseille, hein, que ça ne devienne pas une petite. Qui prenne pas une petite valise. Hein. Allez, et Marseille qui n'a plus marqué depuis un petit moment déjà. Ils ont du mal déjà à rentrer dans la raquette et à mi-distance, ils n'y sont pas pour l'instant. Enfin, je veux dire, ouais. Par l'image de Quintero. Marqué, là, c'est marqué et marqué dans le jeu, hein, parce que bah, y a eu un lancer franc de. Ouais. De Nelson, mais à part ça, il n'y a pas eu grand chose. Hein, et voilà. Et pour l'instant, ça enchaîne. Toscano. Contrairement à Marseille, pardon, à mi-distance, ça va. Hein. Ah oui. Donc. Même à mi-distance, c'est vrai que Marseille n'arrive pas du tout à marquer. Faute, non. Faute. Ah, faute à l'encontre 2. Non, ils n'ont pas sifflé faute. Ils ont sifflé jeu dangereux. Ah, jeu dangereux, ok. Même si je pense qu'il y avait faute de Nelson, hein, il pouvait pas passer, qu'il force le passage, ouais, il essaie et qu'il tombe. Allez, Marseille, là, il faut se réveiller. Nelson n'a pas de possibilité. C'est, ouais, dur, ouais. C'est dur. C'est quand t'es défendu au corps pendant tout le match. Après, c'est bonne défense, hein, du Canet. C'est pas une défense en 1 contre 1, c'est vraiment une défense de zone. Mais elle est très bien gérée du début jusqu'à la fin de l'action. C'est ça. Avec Toscano, la récupération de balle. Malgré qu'il y a aussi c'est très propre. Reda sur la touche. Hein. Et ouais. Et côté Canet, c'est très propre. Mauvaise passe de. Voilà. Je dis ça pour qu'il rate la passe. Bon, il y a eu une petite faute sur les Marseillais, ce qui a déstabilisé lors de la passe. Faute de fauteuil qui pousse Lucas avec son fauteuil, donc faute. Ah là 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 là. 4 minutes 12. 36-9. Et Koussi, mine de rien, qui grimpait 2 minutes de jeu. Ah oui, parce qu'il est un déboulonnable Houssine. Quintero qui sort, qui a fait sa deuxième faute. 3 joueurs de Marseille. Non, 4 joueurs de Marseille qui sont à 2 fautes. Ça c'est compliqué là maintenant. Lucas, parfait.
mismatch. Lucas qui est vraiment là pour l'instant sur très gestuel de shoot. Il est vraiment vraiment fluide, vraiment souple. C'est des fautes assez impressionnantes. C'est un peu ça passé sous nos yeux. C'est ça, comme je disais tout à l'heure. Spectaculaire. Le numéro 4, il est assez physique, mais des fois, il contrôle pas assez son fauteuil. Du coup, il fait des grosses fautes, on va dire. C'est déjà sa troisième faute, d'ailleurs. C'est ce que je disais, c'est un excès d'engagement, en fait. C'est ça, ouais. Trop de volonté d'être porté vers l'avant ou alors de vraiment récupérer la balle. Et bah des fois, ça s'exprime par un excès et c'est sifflé en faute. Et Maciek qui est vraiment sur son petit nuage confortable, moelleux. Sans forcer. Hein. Sans forcer, hop, c'est ça. Kossi, tête de raquette. Damoiseau. Elle est de points très jolie avec la planche. Très beau shoot. Allez, 40-11. On a déjà marqué 40 points, c'est énorme. Ouais, 40 points. Ah, Marseille, ils défendent mal, hein, puisqu'ils en prennent 40, là. C'est... Il n'y a pas de défense, on va dire. Hein. Maciek sur Christophe. Ouh. Allez, Christophe, prends-le. Il a plus trop le choix, ah, 3 secondes, c'est ça le problème. Prends-le. C'est le problème, c'est qu'il était déjà à l'intérieur, il n'avait plus que la possibilité de tirer, et bah, le geste de trop, les 3 secondes. Lisa, internationale française, qui va faire son entrée de jeu. La numéro 9. Allez, hein. On a besoin d'un peu de féminité sur le terrain. Coussi, les bottes de fosse de Luca. Un oiseau. Nelson. Nelson. Et ça rentre avec le cerceau. Double rebond. Will avec la balle sur Maciek. Allez, Maciek qui va prendre son shoot. Ah, ça ressort. Dommage. Et le canet là qui défend bien. C'est bien gardé. Oh, donc, bien, et du défense. Coup, ça crée une perte de balles. Tout à fait. Et ballon rendu pour le canet. Très bien joué. Les arbitres étaient à la limite de siffler les 8 secondes. Et c'est pour ça que Kossi s'est un peu débarrassé de la balle. Et... Allez, Maciek. À 2 points, voilà. Sa spéciale. Kossi et Toscano à la récupération de balle, le rebond qui renvoie directement le Wilfried devant. Sur Ivan, allez Ivan, parfait. Oh là là, oui. C'est ça qu'on cherche. Depuis quelques semaines à côté Canet, c'était voilà cette volonté d'avoir un jeu propre, une bonne défense. C'est on l'a aujourd'hui. Hein. Attention Nelson qui a mis ce match sur Maciek. C'est bon, Christophe a repris. Allez Kossi. Il reste 8 secondes. Qui prend le shoot. Eh oui, parfait, Kossi, bien. Beau panier. Et Kossi n'a pas trop d'options. Hein. Ça bouge pas trop malheureusement côté marseillais. Lucas dans la raquette. Oui. Je suis même une petite faute, je pense. Il y a eu un petit contact avant shoot. Ouais. Mais il se laisse pas déstabiliser. En reculant, très compliqué. Hein. Et Lucas qui est très appliqué là depuis son entrée. Il est, c'est ce nouveau il est impeccable. Le Rudy. le petit contre de Christophe Carlier. Et on récupère le ballon. Très bien. Il reste 40 secondes. Et c'est 100% presque pour l'équipe du Canet là. Hein. Vraiment sur cette première mi-temps. Il y a 30 points quasiment, il n'y a pas eu de match. Hein. Ah, je suis un peu déçu moi par l'équipe de Marseille. Hein. Ouais. Je m'attendais à plus d'adversité. Je pense qu'à mon avis, le Canet a mis direct. Ouais, oui. Ah, ils ont pris la mesure de l'adversaire.
excuse-moi de dire, mais on les a éteints. Ouais, ouais, c'est ça. Ça. C'est ça, le Canet est parvenu à doucher, littéralement les espoirs de Marseille en quelques minutes. En fait, ils ont pris la main mise sur le match. Charles qui n'est pas content. Hein. On le voit là, ouais, qui peste. Et Ivan, ah dommage. Il récupère son en plus. Il s'est fait un peu bâcher là. Marseille qui a toutes les difficultés du monde à remonter la balle et ça va. Ouh, bien joué. Encore une faute offensive. L'énième, Nelson. Je pense qu'ils vont pas finir. Il y a des joueurs qui vont sortir pour cette faute, c'est pas possible. Nelson. Trop. Quatrième faute de Nelson. Comme tu l'as dit, trop d'engagement. Ah, Nelson, depuis qu'il a cassé. Il est sorti du match, ouais, j'ai l'impression. C'est dommage. Et quatrième faute. Et alors, le nombre de balles perdues sur faute offensive. Quatrième faute, il reste encore deux cartons. Ah, ça va être compliqué pour lui. Hein. Et c'est allez, lui, prends-le. Ah, dommage. Quelques secondes près. C'est bien, c'est un bon shoot. Ouais. Et mi-temps, ça y est, mi-temps. Et, alors, 46-15, il y a quasiment 30 points. Je pense que Charles, à mon avis, là, il va pas être content du tout de la performance de ses joueurs. Il est pas content du tout. Hein. Littéralement, je pense que le Marseille s'est cassé lui-même le match. Oui. Et le Canet a pris à. En fait, voilà, on a deux équipes qui sont sur des pentes différentes, des pentes opposées même. Le Canet qui fait un match parfait jusque-là, défensivement, offensivement, rien à dire. Et Marseille qui trop d'engagement, trop d'excès. Trop fort. Désolé. Ouais. La sono qui est extrêmement forte. Oui, après, voilà, du côté du Canet, on défend très très bien pour l'instant, ben tant mieux. Et après, côté Marseille, niveau shoot à mi-distance, qui est normalement leur force, ils n'y arrivent pas. Ouais, c'est vraiment dommage. Pour ceux qui vont se réveiller en deuxième mi-temps, ce serait bien pour nous, pour le spectacle. C'est ça, exactement. Parce que voilà, même nous, ça nous intéresse pas que ce soit un match à sens unique. Hein. Non, on aimerait avoir un petit peu plus de... Un petit peu plus de match, un petit peu plus d'engagement et une équipe de Marseille en face qui est du répondant, mais pour l'instant il n'y a rien du tout. Et ils sont pas aidés par eux-mêmes parce que il faut qu'ils soient un petit peu plus calmes, je pense qu'ils seront bêtes dans leur match. Ils sont sortis trop vite du match. Il y a eu peut-être la problème de fauteuil avec Nelson. Mais il a passé au-dessus de ça, ils sont concentrés, rentrés, parce qu'il doit. C'est le joueur, un des joueurs forts de son équipe, donc il doit apporter plus, quoi. C'est le seul grand. Exactement. Le numéro 6. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Pour cette pause fraîcheur. À la petite pause fraîcheur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Už dorazkom. Así que prepárense. Ay. Beerwerk. Bum! 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 Hey! Du 8 au 17 juillet 2023. The show is on. Empieza la fiesta. Prestaties. Compara. Emoción. Piacere. Vibremos juntos. Supporters. Laten we samen juichen. Nos vemos em Paris em 2023. Rendez-vous à Paris. Rendez-vous. Rendez-vous à Paris. En el 2023. En 2023. En 2023.
PTR. The elite of para-athletics are coming together. Au stade Charletti de Paris. Preparem-se. Os Dorascom. Assim que preparem-se. Ai. Firework. Boom. 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 Hey. Du 8 au 17 juillet 2023. The show is on. Empieza la fiesta. Prestaties. Comparar. Emoção. Piacere. Vibremos juntos. Supporters. Laten we samen juichen. Nos vemos em Paris em 2023. Rendez-vous à Paris. Rendez-vous. Rendez-vous à Paris. En el 2023. En 2023. En 2023. The elite of para-athletics are coming together. Au stade Charletti de Paris. Preparem-se. Os Dorascom. Assim que preparem-se. Ai. Firework. Boom. 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 Hey. Du 8 au 17 juillet 2023. The show is on. Empieza la fiesta. Prestaties. Comparar. Emoção. Piacere. Vibremos juntos. Supporters, laten we samen juichen. Nos vemos em Paris em 2023. Rendez-vous à Paris. Rendez-vous. Rendez-vous à Paris. En el 2023. En 2023. En 2023.
Donc les phases finales de l'Euroleague à Cantu, près de Milan, Italie. Ah, pour les gens qui connaissent pas trop. Ça fait un. C'est très bien. Ouais, c'est à côté de la maison, on va dire. C'est ça, ouais, c'est pas très très loin non plus. Voilà, oui. Parce qu'il y a d'autres phases finales, j'ai entendu Turquie, je crois. Oui, là, le premier tour où on a déjà gagné une Coupe d'Europe Euroleague 3 à Izmir, donc en Turquie. Ça fait la seule chose, là. C'est un autre voyage. Et après, il y a aussi le club des Pilatus Dragons, pardon, club suisse, qui organise aussi ce premier tour de Coupe d'Europe. À noter qu'il y a plusieurs Coupes d'Europe. Hein. Il y a l'Euroleague 1, 2 et 3. Une, voilà. 2, 3. Voilà. Et la Champions, qui reste la meilleure compétition au niveau européen. Là où il y a les plus gros clubs du continent. Ouais, tout simplement. Ça. Pour l'instant, les clubs français, on aurait pu nous se qualifier, mais bon. Contre Galatasaray. Voilà, on a perdu le match qu'il fallait pas perdre. Mais bon, après, je pense que, comme je l'ai dit, on est à notre place. Pourquoi pas aller chercher le titre de l'Euroleague ? Ce serait bien pour le club, extra. La ville, les joueurs, les extra. Dirigeants, les bénévoles. Voilà. Je pense que c'est une compétition qui est taillée à l'effectif du Canet. Et d'autant que là, elle est en train de prendre là petit à petit de plus en plus la mesure. C'est ça. Un peu comme des métronomes. Allez. Et c'est reparti. C'est reparti. Côté. Et encore loupé côté Marseille. Je suis à mi-distance et contre-attaque. Allez Lucas. Mais ouh, dommage. Avec un petit peu trop, je pense, de. Ouais. Appliqué. Ouais, pas de l'application, voilà. C'est elle ça. A jeté la balle. Vargas. Et qui le fait pas un bon match non plus. Et Lucas qui s'est bien rattrapé là sur le coup. Contre-attaque de Mathieu avec encore une fois. Et lui pour le coup. Panier réussi de André. Le Canet qui repart comme on les avait quittés. Fort. C'est ça. Vraiment fort. Droit devant. Voilà. Un surnombre côté. Oh là 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 là. Si même ces actions-là ne sont pas réussies. Ça va être très compliqué, je pense. Ouais. On le dit, je le répète, mais bon. Allez, Will, avec la balle là-dessus au marché. De toute façon, malheureusement, avec 30 points, on peut difficilement espérer. 30 points, mais surtout la prestation qu'ils ont eue première mi-temps. On peut pas espérer grand chose malheureusement, si ce n'est essayer de se remettre un petit peu dans la dynamique. Allez, deux points de Nelson pour se redonner un peu d'espoir côté marseillais. Allez, Maciek sur le côté. Maciek. Et les deux points. Les deux points. Il aurait pu même donner à Christophe, mais c'est pas grave. Tant qu'il a mis, c'est l'essentiel. Maciek, je crois qu'il va sortir une grosse performance là niveau scoring. Une grosse là pour le coup, notre ami polonais, il soigne ses stats. Toujours presque parfait. Maciek qui rate quasiment rien en tir, c'est impressionnant. Il est encore plus impressionnant à l'entraînement. En plus, c'est un bon gars, il est rigolo. On l'entend jamais. Allez, Maciek, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il passe sur Reda. Reda à mi-distance. Ah, dommage. C'est pas sa position préférentielle, mais. Bon, des fois, il le prend. Hein. Voilà, mais c'est bien. C'est bien, ça prouve qu'on est en confiance, qu'on a envie. Quintero, allez. Voilà. Les deux points, Marseillais. Marseille qui. 50-19. Will, bien, très bonne passe sur Lucas avec la planche, parfait. Très bien joué, très belle action. C'est bien construit, c'est bien mené. Un très bonne passe de Will. Changement côté. Marseillais. Double changement pour le coup. Ouais. Clary et Damoiseau qui rentre voilà. À la place de Lazzaro et Lopez. Et Lopez. Ouais. Un match compliqué aussi pour ces deux joueurs. Qui n'arrivent pas à trouver les solutions. Hein. C'est ça.
C'est des jeunes joueurs, hein, d'ailleurs. Tout à fait. L'effectif de Marseille est plutôt jeune, en général. On attend Qu'est-ce qui se passe ? Fin de discussion entre Charles et l'arbitre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Pour le coup, là, c'est par rapport à Clary. Est-ce qu'il y aurait un problème sur au niveau des points ? Ah, peut-être les points. Alors Charles, on s'est pas additionné. Non, je rigole. oui, technique. Hein. Technique. Il a pris une technique pour ça. À cause des points. C'est ça. Effectivement, il s'est pas additionné. Non, je plaisante. Dans le feu de l'action, c'est compliqué de. Ouais, parce qu'il y a aussi, il faut noter que il y a chaque joueur, en fonction de son handicap, un certain nombre de points. Et dès qu'on dépasse ce quota, donc qui est de 14,5, voilà, merci. Ouais. J'avais oublié. 14,5 donc en élite, nationale élite. Dès qu'on dépasse ce quota, et déjà on n'a pas le droit. Et en plus de ça, on se voit prendre une faute technique. Et je crois que Maciek a mis ses lancers francs. Il y a eu lancers francs de Maciek réussi, 53-19. Ah là 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 là, c'est pas le bon. La bonne journée. Malheureusement, il y a tout qui va contre le cours du jeu pour Marseille. Ça a commencé en début d'après-midi. Il faut noter que l'équipe du Canet a gagné son premier match de la saison contre Marseille. Donc voilà. C'est la seule journée pour nos amis phocéens. C'est ça. Et à noter les 3 points de Johan Vargas et Maciek. Et Maciek. Force tranquille. Maciek qui continue sur sa lancée. J'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense qu'on n'est pas loin du 100% pour Maciek. Il a dû louper un ou deux shoots, je pense. Allez, de l'autre côté, Damoiseau. Damoiseau et qui. perd le ballon. Ah, elle perd la balle. C'est ça. Ah là 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 là. 55-22. Ah, c'est un sens unique là. Il n'y a plus de match quasiment. C'est le genre de match où t'as envie que les minutes passent très très vite quand tu es du côté de Marseille pour le coup. C'est ça. Ah oui, pénétration. Ah, et le contre. Ah, il arrive trop vite et après il n'a plus d'angle pour shooter. Même s'il réclame une faute, mais pas de faute. Et Lucas, qui fait son match aussi, hein, pour le coup. Hein. Lucas qui est très appliqué. Bah, on l'a déjà dit, hein, qui progresse, qui est venu chez nous au Canet pour s'entraîner 4 fois plus, on va dire. Et pour l'instant, ça porte ses fruits. Il est là, il est présent. Et Quintero shoot avec la faute. C'est qui ? C'est Christophe dans numéro 4 qui fait la faute. Ouais. Ça doit être notre ami Wilfried. Notre ami Will qui fait cette faute. J'ai pas bien vu pour le coup ce qui est peut-être faute de fauteuil, je sais pas, j'ai pas vu. À noter que Marseille prend le risque quand même de mettre Nelson sur le. Ils ont pas le choix, je crois. Ouais. Après voilà, je pense qu'il peut défendre sans faire de faute aussi. Hein. Et le lance, et les deux lancers francs. Non, autant pour moi. Il y avait les 2 points plus le lancer franc réussi pour Nelson. Allez Maciek avec la balle, très bonne passe sur Christophe en mismatch dans la raquette et qui loupe. Dommage. Attention au contre. Faute de Reda, oui. Elle y. C'est une faute stratégique, on va dire. Ça permet au Canet de ne pas se faire prendre en contre-attaque. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas nié que faute sur Reda, parce que c'est sa troisième. Ah oui, en effet, ouais. Bon, demi-stratégique. Il n'a pas calculé le nombre de fautes qui lui restait. Oui, après, on connaît Reda. C'est ça, un peu son... Péché mignon. Où il doit progresser en fait, éviter ses fautes, on va dire, bêtes ou stupides. Ouais. Il a juste contrôlé comme ça le bras sans toucher. Hein. Ah, déjà, tu vois un bras gigantesque se lever devant toi. Je pense que
Ça complique la tâche pour l'adversaire. C'est ça. Ben voilà, je le savais, parce que là, du coup, je vois aussi se préparer voilà, pour entrer à la place de Reda. Je connais Daniel, je connais son coaching. Dès qu'un joueur il fait trois fautes, il le sort. Donc c'est dommage pour lui, ça le pénalise en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, et voilà, il sort. Dommage. T'es mort. Houssine, t'es mort. Demandé par Charles pour Marseille. 59-25. Ouais. Allez, il faut que les Marseillais relèvent un peu la tête là. Ils sont dans le bouillon, ouais. Hein, littéralement. Ouais, ils ont réussi à mettre quelques points depuis la reprise, troisième carton. Oui, après, c'est un certain carton. Ouais, voilà, c'est un certain carton. Ouais. Voilà, on continue sur la blague. On y va jusqu'au bout. On fonce. Mais oui, non, là pour l'instant, Marseille n'arrive pas à exister malheureusement sur ce match. Et pour le Cadet, ben c'est génial, ça fait du bien. Oui, ils ont pris le match par le bonbon, ne sont pas tombés dans le piège. Oui. Et le Puy jouait contre qui d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais le pas. Puy, contre l'Agnon. L'Agnon, ouais. Ce déplacement difficile quand même. Très difficile et ouais, on a eu toutes les difficultés du monde à gagner, on va dire. Hein. Ouais, c'est ça, de 6 points, je crois. Après, c'est ça, 6 points. Après, moi qui ai écouté le match, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse, notamment la personne qui a commenté le match, qui a dit que les joueurs du Canet étaient arrogants par l'image de Wilfried Leblanc. Bon, après, moi, je suis l'avocat des personnes. Moi, je connais ce club, ces joueurs. Ça fait plus de presque 20 ans que je suis dans ce club. Il n'y a personne qui est arrogant, on respecte toujours nos adversaires. Après, si on est sur le terrain et qu'on n'a pas le droit de sourire, c'est stupide ces réflexions. Donc, placé. C'est mal connaître le club mal et les joueurs. C'est ça, exactement. Ouais. Après, pour le coup, c'est vrai que nous, entre joueurs, on rigole énormément. Donc peut-être que ça, c'est peut-être vu comme de l'arrogance, mais c'est pas du tout le cas. C'est un club. Le club du Canet est un club qui exprime beaucoup la joie et la passion du basket, avant tout. Et a toujours fait preuve d'un énorme respect envers ses adversaires. En respectant jusqu'au bout ses adversaires. Donc j'ai du mal à comprendre ce genre de propos. Si lui n'a plus le droit de sourire, en plus je suis sûr que quelqu'un a dû lui faire une blague, parce que voilà, après on est tous un peu blagueurs dans ce club, donc on se fait constamment des blagues. Donc non, en plus connaissant Daniel, Alex et tout, il faut pas dire ça, franchement. On est les premiers à respecter tout le monde. Hein. Voilà, parenthèse fermée. Et toi, tu fais bien de, de le dire. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Ça pique un peu au vif, ce genre de réflexion, et voilà. C'est dommage. Alors, là, pour l'instant, tout se passe bien côté Canet. 63-25, tentative de contre-attaque de Toscano qui s'est retenu. il avait armé le bras, il a dit non, je me calme. Mais c'est mieux, voilà. Hop, Reda, tranquille dans la raquette. Ah, dommage, Yvonne. Ah, il a voulu faire la passe réflexe, mais en fait, sur le passage, il y avait Nelson. Et le contre opéré par Nelson, à côté de Vargas. Vargas qui fait pas du tout un bon match, hein. C'est dommage. Hein. Ah là là là. Vargas n'y est pas. Non. Bonne passe de Reda sur Yvonne. Allez, Yvonne. C'était compliqué, il avait une forêt de bras. Ouais, trois joueurs sur lui. Mais très bonne passe de Reda. Ouais. Ah, pour le coup, Reda n'est pas sorti. Hein. Autant pour moi, mais tant mieux. Ah oui, Toscano. Allez, balance. Dommage. Pas récompensé, on va dire. La Bamas attitude. Alors, temps mort ou juste changement? Entre deux. Vargas qui ressort. C'est pour ça qu'on nous voit, bonjour. Voilà, Vargas, voilà, qui ressort. Ouais. Non. Un non-match pour l'instant pour lui. Ouais. Et le problème, voilà, côté Marseille, ça se ressent, tout simplement. C'est ça. Ah, rebonjour. Au revoir. Allez, Nelson. Allez, Nelson, ouais.
Il n'y a pas de solution, en fait. Pas de solution. C'est à mi-distance, on est à l'arrêt, on prend, on arme, on voit pas de solution, on tire. Et Oussine qui s'est remis, hein, là, il a vraiment repris le devant là depuis ce troisième carton. Il a remis un coup de boost. Et encore Oussine qui intercepte la balle. Ah, balle perdue. Allez, Kossi. Ici. Bien. Il pouvait difficilement le rater celui-ci. Allez, Toscano. Reda tout seul, parfait. Voilà. Allez Reda, très bien. Et il reste 2 minutes de jeu. Quintero qui monte la balle. Il va y aller ou pas? Ah, très bonne passe, très bonne passe. Avec et la faute. De qui? De Reda, quatrième là, il va sortir. Ouais. Là pour le coup vraiment je pense qu'il va sortir. Ouais, Reda, trop de fautes sur ce match. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est son péché mignon, il faut qu'il progresse là-dessus. C'est des petites fautes en plus, hein, c'est des petites fautes. Ouais, qu'il doit pas faire tout simplement. La sortie de Wilfried pour Tom Tom. C'est fou que Daniel il le sorte pas. Il a évolué. Tant mieux. Ah, il doit se dire, bon, il reste après, 1 minute 51 dans le troisième. Après, ça a n'importe quel âge. Ouais. Ça sera répété, amplifié. Non, mais ça va s'enregistrer. Donc. Reda, non, allez Oussine, sur allez Luca, tranquille. Et avec le cerceau. Voilà. Luca qui est impeccable. Oui, très bien. Ici avec la balle. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va chuter. Ah. Ça tape le cerceau. Tendu, trop tendu ce cerceau. Ouais, c'est compliqué. Reda qui monte la balle sur Oussine. Allez Oussine qui va provoquer, non. Qui ressort de la raquette. C'est bien de voilà, temporiser. Toscano, Reda. Allez Oussine, prends-le avec la planche ou sans la planche? Oui. Sans la planche. Très beau panier, franchement. La ficelle. Oui. 71. Il reste 45 secondes. Ouais. La faute dispensable de Lucas. Allez, c'est pas grave, Lucas, c'est ta première faute, c'est rien. Seconde apparemment. Ah, seconde, ah pardon, autant pour moi, ouais, seconde. Allez. Shoot, bon, bon shoot. Très joli. Bonne Sophie. Allez Reda. Qui bascule sur Oussine. Oussine, allez. Ah, dommage. C'est presque là, celui-ci était bien. Je pense qu'il chute un peu rapidement. Oula. Alors là, très belle passe à l'équipe technique là derrière, voilà. Je sais pas qui c'est, mais le public a réceptionné la balle. Ah mais il a de la force, hein. Il a... Alors il y a de l'excès d'engagement côté Marseille, même à la fin du match, enfin non, pas à la fin du carton je veux dire. Voilà, il reste encore un carton. Allez, 60, ne vous en fouillez pas. 32. 40 points quasi. 40 points, ouais. Ça 39 mal. Points, 39 points et ouais, ça fait mal hein, dans l'esprit, dans la tête. Ils sortaient d'un bon match face c'est à... C'est dommage, contre Mo, ils ont fait une belle prestation. Mais bon... Voilà, après, c'est le sport du niveau, c'est une éternelle remise en question chaque match, rien n'est acquis, on va dire, c'est ça, hein, c'est ça le sport. Et là, le Canet qui reste sur leur lancée des trois victoires d'affilée, part sur une quatrième victoire, c'est bien,
Après, je sais pas si côté Marseille, ils font la Coupe d'Europe cette année. Je sais pas. J'espère pour eux, hein, c'est parce que c'est une compétition qui emmagasine énormément d'expérience. Et ça, ouais. Tu te confrontes à d'autres équipes, à un autre niveau de jeu. Non. Oui. C'est bien de faire le Europe. Le score ne fait pas du tout honneur à l'effectif de Marseille, hein, qui clairement, il y a beaucoup de qualité, beaucoup de vitesse, beaucoup de technique. Et voilà, malheureusement, là, Marseille, qui du début jusqu'à la fin, n'a pas réussi son match, n'est pas rentré dans son match. C'est dommage. Et ouais, c'est vrai que on ne sait pas si Marseille est dans une compétition européenne, mais ça peut faire du bien ce genre d'effectif. Tout à fait. Non, comme tu l'as dit, c'est un bel effectif. Hein. Mmh. Marseille qui va se réveiller demain matin avec un coup sur le crâne, hein, quand même. Ouais. C'est une lourde défaite pour eux. Et après, voilà. C'est... Voilà, le canet était impeccable, hein, vraiment. Pour le coup, là, pour l'instant, ils ont été sérieux. Très, très sérieux, le canet. Il n'y a pas eu de moment, en fait. De flottement, ouais, voilà, c'est ça. Jusqu'à présent, ils ont fait un match avec la même intensité du début. Ouais. Jusqu'à la fin du troisième carton, à voir le quatrième. Christophe. Tête de raquette, un peu court. Et rebond de Nelson. Ouais. Ça repart vite là côté marseillais. Bon bloc de Quintero. Et là, c'est fini. Faute au fond. Non, ah c'est là. Faute de Christophe Carlier. Ah. Faute de Chris. Je pensais qu'ils avaient sifflé une faute sur Nelson, ouais. Je pense. Je pensais qu'ils avaient sifflé une faute offensive. Anne-Sophie qui va faire la remise en jeu. Nelson avec la balle. Bonne défense pour l'instant côté Tané, Quintero. Oh. Ouais. Ah ouais, ils défendent bien aussi après au niveau du Canet. Hein. C'est pour ça qu'on les met en difficulté. Hein. Ils ont eu toutes les difficultés du monde à rentrer dans la raquette, hein, sur ce match, hein, les Marseillais. C'est ça. Grosse défense. C'est bien. Ivan sur Christophe. Bon bloc de Luca, et oui, hein. Oui. Parfait, pick and roll, ah dommage, j'ai la vie dedans. C'est bien, bon travail de Luca. Alors, qu'est-ce qui... Le duo arbitral a... Et c'est une balle rendue. Une balle rendue suite à une discussion arbitrale. Je pense qu'à mon avis, il n'y avait pas de faute sifflée initialement. Et Nelson. Sur Alzo, une bonne défense d'Houssine. Alors, Lopez avec la balle. Lucas qui presse. Attention à ce bras. Alzo qui va shooter. Ah, dommage. On donne Christophe. Allez. On est en surnombre. C'est bien revenu à côté marseillais, ouais, là. Très bien revenu, ouais. Allez, Lucas. Ouais, compliqué là, ce tir. Oh, dommage. Là, je pensais que le rebond allait rentrer dedans. Ouais. Non, il a. Mais c'est dur ce shoot. Ça c'est. Alors, l'arbitre a estimé que Toscano était en mouvement sur sa défense. Et du coup, en fait, la. La priorité de faute est repassée côté Canet. Et du coup, ouais. Ça donne une faute contre le Canet. Ça aurait pu être. Si Toscano était vraiment à l'arrêt, là, ça aurait pu être une faute offensive, hein, clairement. Coup de terre à mi-distance, non. Jeu dangereux. Allez, remise à dessous encore une fois.
Coup de terreur avec la balle, il va shooter. Pas trop de choix. Ah, oh. Très joli. Très beau shoot. Très belle. Très belle gestuelle. Ah, oui, très très belle. C'est un peu tard. Allez, Luca. Sur Christophe. Allez, un peu loin. Oui, bien, Luca. En confiance, hein. Ouais, un peu loin, mais bon, parfait. Tant que, du moment que ça rentre, tout à fait. Ça n'est qu'un tir réussi. Tout à fait. Ça ne peut être qu'un bon choix. Nelson à 3 points, tentative manquée. Ouais. Et rebond Doucine qui lance la contre-attaque. Il va provoquer. Remis sur Ivan, sur Christophe. Doucine qui va prendre les shoots. Ah, shoot loupé. Mais on récupère le ballon. Allez Christophe, un peu court aussi. Un peu de fatigue je pense. C'est bien logique vu le match qu'ils ont mené. Ah, tant qu'on a. Quand tu as presque 40 points d'avance. Et belle action là de Marseille. Ivan. Sur aussi. Et Chris Houssine à nouveau. À 3 points. Ouais, c'est dommage. Et il récupère son rebond, c'est très bien. Très bonne passe sur Christophe. Ah, dommage. Quelques tirs ratés là, ouais. Depuis quelques minutes à la côté Canet. Attaque côté Marseille. Ouais, quelques chutes, comme tu l'as dit, un peu ratés là. Bah, ils ont délivré une prestation tellement complète là depuis le début du match. Belle action. Oh, ah, dommage aussi. S'il faut détendre le bras aussi, une détente. Et je crois que c'est sa cinquième. Hein, c'est sa cinquième. Pour Nelson. Oui. Pour notre ami Nelson. Nelson. 5 fautes, allez. Et au revoir Nelson. Et Mathieu qui revient sur le terrain, pardon, à la place de Luca. Nelson qui n'a jamais réellement pu mettre l'impact dans ce match. Hein, voilà. Et qui sort pour 5 fautes et qui laisse ses coéquipiers à 6 minutes de la fin. Quand même, il reste un peu de temps. Hein. Ouais. Aussi qui loupe son premier lancer franc, c'est ça? Houssine, et voilà, il y a juste un lancer franc réussi pour Houssine. 74-38. Ah là, du coup, je vois plus rien que le dos de Nelson. Aïe, aïe, aïe. Ça complique la tâche pour Caïs, là, actuellement, qui va devoir faire un décalage. Et alors, Matchek pour la contre-attaque, le long de la ligne. Carlier et 2 points. Très belle contre-attaque rondement menée par l'équipe du Canet. Et le temps mort demandé à nouveau par Charles Zila. Ouais, c'est difficile. Voilà. Bah là, on est dans le carton quand il y a autant d'écart. Enfin, c'est le carton où. Ouais, essayer de mettre en place d'autres choses. Pourquoi pas essayer de travailler. Évacuer un peu la frustration, chose, voilà. Travailler quelque chose. Tu travailles des stratégies, travailler des moves pour d'autres matchs. Voilà, c'est aussi un peu se recentrer sur le basket avant tout. Et ne pas laisser la frustration gagner l'ensemble des joueurs. Même si le match il est plié. Hein. Ouais, très clairement. Il y a 76, oui. Qui a un problème à la table. Ils ont oublié de points. Ah, sacré table. Pour moi, ouais, il manque 2 points là.
Ouais, il manque de points, il faudrait vite qu'il les mette quoi. Et Reda qui refait son entrée, est-ce qu'il va faire la cinquième ou pas? Allez, petit challenge. Moi je dis que non. Ouais, je sais pas, moi j'ai du mal à me mouiller là-dessus. Allez, bah on va dire que ouais, oui, je pense que c'est la cinquième faute. C'est méchant. Ouais, belle interception de Christophe. Après, il ouais. Faut pas qu'elle aille comme ça sur Christophe. Et je suis tellement mauvais sur ce genre de pari, il va me faire mentir, donc il va rester à 4 fautes et ça sera très bien. Voilà. Donc, pari gagnant, j'ai gagné mon pari déjà. Ouais, on va voir. Oh, Vergas. Vergas, ouais. C'est ça ce qui a manqué hein, à Marseille. Les shoots de Vergas à mi-distance pour faire sortir la défense côté du Canet. Et Stéphane Keller qui arrive pour pouvoir entrer sur le terrain. Et j'espère aussi pour ton ami Yuri Fernandez. Ah, peut-être grappiller quelques minutes. Ah, il aurait pu quand même, hein, 40 points. Vergas avec la balle. Allez, sur un jeune joueur. Très joli. Petit jeune là qui découvre le handi basket, apparemment un nouveau 4,5. Quand même belle patte, hein, franchement, nous contre Boustila. Non, c'est pas Boustila, ah ouais, c'est Jérémy. Boustila, c'est Yo-Yo qui joue pas. Il a donné son maillot. Voilà. Il a donné son maillot, yo. Voilà, j'ai fait la blague, allez, bonne nuit. Pour revenir là sur Jérémy, qui a une belle patte, hein. Nous on est avec l'équipe 2 qui a mis pas mal de shoots, notamment à 3 points. Il y a de, voilà. Y a de la taille, hein. Ouais. Il y a un bon potentiel, on va dire. Voilà, lui maintenant de travailler le maniement de fauteuil, c'est ça le plus important dans notre discipline. Pour les jeunes joueurs. C'est quand même, on va dire, un sacré gabarit. Ah ouais, ouais. Et voilà, c'est un gabarit qui a besoin d'expérience. Ben, j'ai un peu parlé avec lui, je crois. Il vient du monde valide, hein, basket valide. Donc ouais, ça se voit de toute façon sur sa gestuelle et tout. Est-ce que des joueurs comme ça valides. Ça me dit quelque chose du coup. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, parce que bah, je regardais, j'étais ton ami un supporter des Antibes Sharks, ah, oui. Notamment. Et je regardais beaucoup de matchs, donc national, enfin Pro B, National A. Et du coup, Jérémy Talbot, ça me dit quelque chose. Ah. Donc j'ai pas menti. On va demander à notre cher ami Google. Wikipédia. Alors, c'est un joueur de basket. Hop. Et en effet. Pour l'instant, Vergas qui est au lancer franc, qui met ses deux lancers francs. Ah, allez, remise pour le Canet avec l'intermédiaire de Will qui monte la balle. Et Stéphane qui est rentré sur le terrain. Sur Maciek à mi-distance. Et panier d'Andrei. Alors si c'est le même joueur, c'est un ancien joueur de Nancy. D'accord. Ouais. Nancy, le Nancy, ouais, le Sluc. Je vais pas me planter, oui, je crois que c'est ça. Et Nancy qui est un excellent club hein, de basket valide. Ouais, en effet. Mais c'est bon pour le club de Marseille de récupérer des joueurs. C'est ça, exactement. Voilà, c'est au niveau, on va dire. Je pense que ce qu'il doit avoir une vision, de jeu importante. Il a déjà le basket en fait. Ouais, il a déjà le basket dans les bras. Et voilà, bah, c'est. Et Maciek qui continue. Ouais, Maciek qui continue malgré le. Je sais pas, visiblement, il y a un moment de flottement dans la défense, je sais pas, suite à. De toute façon, Marseille, ils n'ont jamais défendu sur ce match. Hein. Ouais. Marseille, c'est compliqué là sur ce match. Ouais. Ouais. Bonne défense de Stéphane. Et changement pour. Ah voilà, Yuri qui rentre à la place de Reda. Allez, Reda, il n'a pas fait sa cinquième faute, donc j'ai gagné. Tu me dois une bière, mon cher Laurent. Eh mince.
Bien sûr. Allez, c'est parti pour la vie. Avec modération. Avec modération, bien sûr. Matchak à 3 points. Et shoot loupé, dommage. On a loupé tous nos shoots à 3 points. C'est dommage. Bah, au moins, on a tenté. C'est ça. Allez, Yuri, de suite, voilà. Sur Vargas. Houssine. Koussi en mismatch sur Stéphane. Aïe, aïe, aïe. Remonte Yuri. Yuri sur Steph. Steph qui l'a soucié. Elle est dure. Elle est très dure. Je pense qu'elle est très difficile parce que honnêtement, il n'a pas une grande vitesse. Non, mais là, c'est elle. Il n'est pas la faute. Ouais. Monsieur l'arbitre. Après, je ne le connais pas, cet arbitre. C'est un trio d'arbitres. Après, David, lui. Voilà, David, on en connaît. on en connaît un, ouais, c'est David. Et après, oui, les deux autres, on les connaît pas. On connaît pas du tout. Et ça arrive sur la longueur d'un match de faire des fautes. Bonne défense de Stéphane là, sur Jérémy. C'est ça, Jérémy, pas le bon. Vargas à mi-distance et voilà, Vargas qui revient un tout petit peu sur ce fin de match. Ouais. Lille qui monte la balle sur aussi une très bonne passe. Houssine sur. Ouais, il est grand, hein, Jérémy. Hein. Allez. Il ne reste pas beaucoup, il faut shooter. Allez, Steph. Ah, dommage. Le tir manqué. Ah, c'est dur de rentrer comme ça en fin de match. Ouais. Pour le rythme. Bah Steph maintenant hein, qui fait on va dire des fins de match plutôt qui était un joueur indispensable très important du bien sûr ouais. Et voilà avec sa vie professionnelle maintenant il a moins on va dire un peu moins de temps pour le basket malgré qu'il fait des entraînements par semaine hein, mais qu'il fait plus les matchs à l'extérieur voilà c'est ça voilà. les longs déplacements, les matchs à l'extérieur ouais. Et on va dire que c'est une retraite tranquille, une retraite douce. Allez, prends le Yuri. Ah, dommage. Yuri qui n'aime pas prendre, c'est ça. Mais Tchèque, lui, il aime bien, par contre. Ah, ouais, c'est le premier que je vois rater, mais que je vois. Donc, à mon avis, il en a raté d'autres. Ah, il en a raté 3 ou 4, je pense. Le contre-attaque, et Vargas qui loupe. Le rebond de Koussi, et qui met son panier. C'est bien un coup si. Moi qui pensais qu'il n'allait pas avoir beaucoup de temps de jeu. Ah bah là il a été servi. Ouais, servi. Entre le problème technique du fauteuil de Nelson et les 5 fautes. Bah, et il reste 15 secondes. La balle perdue par Matchek, ouais, il reste 15 secondes. Et plus 30 pile poil. Parce qu'il y a 82-52. Ouais. Allez, reparti. Oh, interception de Matchek. Ah là 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 là. Il va y aller. Hein. Et qu'a tout fait Matchek sur cette action. Ah, Matchek qui sort un gros match. Hein. Waouh. Et il reste 10 secondes. Ah, Marseille, il faut pas faire ces erreurs-là. Hein. Perdre la balle comme ça. Allez. Ah ouais, ils sont vraiment en match très très compliqué pour eux. Et dernier temps mort, allez, demandé par Charles Silla pour Marseille. Ouais. Et je crois que coach Paquet n'a pas mis un seul temps mort. Ah, il n'y avait pas la nécessité. C'est ça, ouais. Bah, très clairement, en fait, je pense que le Canet est resté concentré sur son sujet du début jusqu'à la fin. Ils ont fait un très très beau match. Ouais. Surtout, je trouve, en défense. Offensivement, ouais, c'est ça. On leur connaissait un petit trou d'air de temps en temps. Le troisième carton, là, non, il n'y a pas eu de. Toujours concentrés, ouais. Maîtrisant leur sujet. Bien défensivement, bien. Voilà. Non, c'est très bien, c'est un très bon match. Consistant. Beaucoup de consistance sur ce match. Et ça va permettre de se projeter avec sérénité. Voilà. Donc comme je l'ai dit, ce week-end, donc, le Canet ne va pas jouer, étant donné qu'il y a la Coupe d'Europe. Et on va revenir donc le week-end du 25, c'est ça ? Ouais, c'est ça, le 25, samedi 25 mars contre le Gennevilliers à 16h30. Pour la revanche, parce qu'on a noté que le Canet a perdu chez eux en match aller. Ouais.
Et Genevilly, hein, qui fait partie du trio de tête quand même, mine de rien. Ouais, ils ont une belle équipe aussi. C'est une belle équipe. Ouais. Donc aussi, ça va être, j'espère, un beau match. Il y a un peu plus d'équipes cette saison qui se battent pour le, aussi, qui pour le trône. Très bon contre Doucy, là, sur Coucy. Et ça promet quand même une belle fin de saison assez haletante entre Meaux et Le Puy. Il n'y a que 3 points. Et chaque match, ils vont compter double sur tous les derniers matchs. Ça risque de... Ouais. Bah, chaque match risque d'être décisif en tout cas. Ouais, pour le coup, là pour l'instant, ils ne font pas les playoffs. Donc, ouais, à voir si. Seule équipe qui est sortie de ce tableau des 4. Et c'est fini. Et c'est fini. Ouais. Du coup, ouais, Genevilly est 3ème. Ce serait peut-être la première fois que Genevilly fait les playoffs. Je sais pas. Ouais, je pense. Hein, ce serait peut-être la première fois. Donc, belle victoire du Canet. Très belle victoire. Contre une équipe de Marseille. Comment dire qui n'était pas là en fait, hein, malheureusement. Absent. Malheureusement pour eux, n'était pas là, absente. Mais oui, le Canet, je pense qu'ils n'y ont pas été pour rien en fait, dans la contre-performance marseillaise. Ils étaient présents partout en fait, c'est ça. Le terrain, sur toute la largeur du terrain. Et tous les joueurs ont bien joué. Hein. Oui. Après, match spécial, je pense, sur Maciek au niveau du scoring. Mais Maciek, c'est incontournable, je crois. Maciek, Lucas Roy qui a fait un très bon match, très consistant aussi. Ouais. Aussi, une belle deuxième période. Tout à fait. Et aussi, Christophe et aussi. Toscano très présent. Reda qui a pris pas mal de rebonds. Ouais. C'est vraiment la fille, sa cinquième fois. Je lui donne une bière à lui là. Voilà. Je lui donne une bière. C'est très bien. C'est un très bon match de la part du Canet. Du coup, on se donne rendez-vous pour Genevilly dans deux semaines. Tranquillement. On va arriver à cette date on espère que vous avez passé un bon moment. C'est ça, et on souhaite encore une fois bonne chance au club français engagé dans les différentes Coupes d'Europe. Oui, c'est important, voilà. il faut les soutenir de loin. Allô, mon ami Nabil, Rémi, côté de Toulouse, Dupuis, faites-nous rêver. En plus, on va donner, mais c'est très bien, donnez tout. C'est ça. Donnez tout pour la France sur la scène européenne, c'est important. Et ça va donner un peu plus de... Même nos amis qui n'ont pas fait de Coupe d'Europe depuis plusieurs années, là, qui vont se déplacer du côté du Puy-en-Velay. Donc voilà, bonne chose à eux aussi. Voilà, Kéké, Durand. La deuxième étant Charles Silla. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas. C'est qui a gagné le pronostic? C'est ça, premier qui? Ils ont dit le deuxième, Charles. Après le premier, j'ai pas entendu. Nancy, c'est Nancy. La femme du coach. Eh oui. Nancy Paquet qui a gagné le pronostic du match. Nancy. Non, moi je dis qu'il y a eu une triche. Il y a eu favoritisme. Bon allez, sur ce on va vous laisser. Et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Nous, oui, c'est ça. C'est très important. Et on espère que vous êtes nombreux à regarder les matchs. En tout cas, on est très contents de vous les commenter. Oui, c'est ça. Allez, bon merci week-end, beaucoup, bon merci, week-end. Bon dimanche, au revoir. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.
Avenue de la Sécurité. The elite of para-athletics are coming together. Au stade Charletti de Paris. Preparem-se. Os Dorascom. Assim que preparem-se. Ai. Burek. Bum! 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 Hey! Du 8 au 17 juillet 2023. The show is on. Empieza la fiesta. Prestaties. Compara. Emoção. Piacere. Vibremos juntos. Supporters, laten we samen juichen. Nos vemos em Paris em 2023. Rendez-vous à Paris. Rendez-vous. Rendez-vous à Paris. En el 2023. En 2023. En 2023. The elite of para-athletics are coming together. Au stade Charletti de Paris.